volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Excuse-moi, mais quelqu'un doit t'aider à remettre tes idées en place. Béatrice, tu te trompes sur toute la ligne. Non, ce n'est pas vrai. Roberto n'est pas digne de confiance. Pourquoi tu refuses de comprendre qu'il va encore te tromper? Écoute, ma belle. Tu avais déjà prévu que tu allais lui accorder le divorce. Après que celui-ci aurait été prononcé, tu aurais reçu une très grosse somme d'argent. Je ne veux plus divorcer. Roberto et moi, on se remet ensemble. Ah bon? Pour combien de temps? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que tu le penses vraiment? Oh, Lina, ça suffit. C'est ma décision. Et si ça ne te plaît pas, eh bien, tant pis. C'est ce que je vais faire. Compris? Très bien. Fais-le, je tenais simplement à te dire ce que je pense de tout ça. Et quand est-ce que ton mari revient à la maison? Il a passé la nuit ici hier. Et j'espère qu'il reviendra aujourd'hui. Et qu'il ne repartira plus jamais. Cela veut dire qu'il est temps pour moi de prendre congé? Non, pourquoi? Lina, tu vas bientôt te marier. Et ça ne vaut pas le coup que tu achètes un appartement pour y vivre aussi peu de temps. C'est que je ne veux pas vous déranger. Mais non, tu nous déranges pas. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Justement, quand on parle du loup, on voit sa queue. Ah, eh bien, j'espère. En effet, ne t'inquiète pas. Me voilà, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, ce n'est pas important. Ah, Mariana, comment ça, rien d'important? Tu m'avais dit que c'était important et que c'était grave. Cela ne te semble pas inquiétant que pendant que toi, tu sors avec Roberto White, eh ben, le type, lui, a... ton insu, il voit d'autres femmes? Avec qui? Écoute, Mariana, j'ai toujours su qu'il y a d'autres femmes dans sa vie. Et je ne suis pas stupide. Mais je ne sais pas qui sont ces femmes. Alors pourquoi tu me le dis pas? Adelaida Senruan. Ah, Mariana, tu me fais peur. C'est une vieille histoire et franchement, je m'en fiche pas mal. Adelaida est déjà partie en Europe. Elle ne reviendra plus. Désolée de te parler comme ça, Marie. La visite d'Adrie m'a vraiment bouleversée. Mais au moins, elle est venue te rendre visite. Oui, elle l'a fait parce que tu le lui as demandé. Elle n'aurait pas dû venir parce que... elle ne voulait pas entendre un seul mot de ce que j'avais à lui dire. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Adriana ne veut pas te croire. Je te jure, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Parce qu'elle est devenue folle. Adriana a vraiment perdu la tête. Ce qui se passe, c'est que... elle était furieuse et j'avoue qu'elle est bête comme ses pieds, car elle n'a rien dans le crâne. Scarlett, ne parle pas d'elle comme ça, mais c'est ton amie, c'est horrible. Elle était mon amie, mais plus maintenant, Mariana. Elle ne me fait plus du tout confiance. Notre amitié n'est plus la même depuis quelque temps. Surtout que notre père a eu la brillante idée de s'être amouraché d'elle. Quoi? Bientôt, je vais épouser Gonzalo et toi, tu te remets avec Béatrice. Les White et les Durand. Nous allons finir par ressembler à la Sainte Famille. J'espère que je ne serai pas Saint-Joseph. Tu pourrais être l'âne. Lina! Je suis vraiment désolée, mais c'était plus fort que moi. Je sais que je n'aurais pas dû faire ce genre de blague, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, ça va, ne t'inquiète pas. Mais cependant, j'ai une question. Tu veux te faire passer pour qui dans la Sainte Famille? Parce que j'imagine que tu n'aspires pas à être la Vierge Marie aussi. Oh, Roberto! Elle l'a cherché. Il est temps de mettre un terme à tout ça, c'est bon. Ne t'en fais pas, maman, c'est promis, on sera vraiment très sages. Je l'espère bien, parce que je vais à la cuisine pour voir si le dîner est prêt. J'espère que vous n'allez pas vous entretuer pendant mon absence. C'est clair? Tu décides enfin de rentrer chez toi? Oui, parce que c'est ma maison. Plus maintenant? C'est ce que toi, tu crois. On ne peut pas changer les choses. Un mariage qui a été voué à l'échec ne fonctionnera jamais. Et on ne peut rien y faire. Ça te dérange que je me remette avec Béatrice? Pour être franche, je n'ai jamais approuvé votre mariage. Roberto,
Ne te fais pas d'illusions. Si tu te remets avec Béatrice, ce sera pire cette fois. Allez, jeune fille, arrête de faire l'imbécile et réponds à la question que je t'ai posée. Notre père est vraiment amoureux d'Adri, oui ou non? Non. Regarde-moi. Tu vas me le dire? Mais te dire quoi? Je ne sais rien du tout. On va se coucher maintenant. Non, mademoiselle. Parce que tu vas me dire ce qui s'est passé entre notre père et Adri Scarlett. Je ne vais rien te dire, Mariana. Arrête de me harceler. Très bien. Dans ce cas, je vais aller le demander à papa. Non, 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 non. Non, non. Mariana, attends. Mariana, attends. Où est-ce que tu vas? Viens ici. Sérieusement, tu peux m'expliquer quelle est cette obsession pour connaître la vérité? J'en ai tellement marre. Tu ne te rends pas compte que la vérité est horrible, épouvantable, odieuse, qu'il vaut mieux ne rien savoir. Tu vas me le dire ou tu ne vas pas le faire? D'accord, tu as gagné. Je vais te raconter. Franchement, ce n'est pas possible, Nubia. Je t'avais demandé de coudre ces vêtements et tu n'as rien fait du tout. Je t'ai déjà dit que j'étais occupée avec ma tante, oui, et mon petit garçon. Oui, bien sûr que je te crois. Écoute, Nubia, depuis que tu as commencé à travailler ici, tu ne t'es jamais donnée à fond dans ce que tu faisais. Tu n'es pas sérieuse. Pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Tu n'es pas ma patronne? Je suis ta patronne. Quoi? Oui, cet après-midi, j'étais à la fondation et Monsieur Gonzalo White m'a nommée comme responsable de l'atelier. Bon, maintenant que le pouvoir t'est monté à la tête, tu viens ici pour me donner des ordres comme si t'étais la grande chef. Je t'en prie, écoute, Nubia. Je ne veux pas me disputer avec toi. Tu sais, je veux simplement que tu te rendes compte. C'est que cette machine à coudre doit être utilisée. Et si tu n'es pas disposée à l'utiliser, alors dans ce cas, je me ferai un plaisir de la donner à quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler. Tu sais quoi? Je me casse d'ici. Nubia, ce que j'essaie simplement de dire, c'est non, que... Non, 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 non. Ce n'est pas la peine de m'expliquer quoi que ce soit. Si c'est comme ça que tu vas me traiter, on arrête de se voir. Ah, bah c'est super. Maintenant, je n'ai plus d'amis. Ce repas était tellement délicieux. Ces langoustines et ce curry, c'est excellent. Ah, c'est une amie qui m'a ramené ce curry d'Inde et en réalité, j'attendais une occasion spéciale pour pouvoir l'utiliser. Est-ce que tu as aimé? Ouais, j'ai adoré. Elle prend bien soin de toi, pas vrai? Tu veux dire qu'elle prend bien soin de nous parce que toi aussi, tu as bien mangé. À tel point que je me sens coupable. Ce sera de ta faute si je ne peux pas enfiler la robe pour le défilé demain. Ah, Lina, tu sais qu'on pourra toujours l'ajuster. Du café? Oui, je veux bien. Merci. Je vais le chercher. Non, pas pour moi. Merci beaucoup. D'accord. Votre vie de couple sera vraiment très pathétique. Mais l'idée est plus délicieuse. Ça ne regarde que moi, tu ne penses pas? Et également ma sœur, tu ne crois pas? Lina, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Depuis quand est-ce que tu es devenue la protectrice de Béatrice? Parce que si je me trompe pas, tu ne l'aimais pas beaucoup. Tu disais toujours du mal d'elle et tu la considérais toujours comme une rivale et non comme une sœur. Mettons les choses au clair, Roberto. Tu as préféré épouser Béatrice au lieu de m'épouser moi. Cela ne veut dire en aucun cas que ma sœur deviendra ma rivale. Au contraire, je lui serai éternellement reconnaissante de m'avoir sauvée de tes griffes. On se voit demain, Béatrice. À demain, Lina. Est-ce que vous vous disputiez? Non, 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 pas du tout. Non, non. Lina pense que je fais une erreur en me remettant avec toi. Elle a peut-être raison. Non, non, elle se trompe. Roberto, tu sais que je t'aime. Tu es le seul homme que je n'ai jamais aimé durant toute ma vie. Et tu sais très bien que ça ne changera jamais. Est-ce que tu restes dormir ici ce soir? Oui. Je reste dormir ici ce soir. D'accord. Pourquoi vous êtes si silencieuse? Attends, souviens-toi de la promesse que tu m'as faite, Mariana. Psst, mais je ne t'avais rien promis. De quoi vous parlez? Rien du tout. Rien, mais j'ai quelque chose à dire, Scarlett. Mais c'est pas possible, tu as toujours quelque chose à dire, Mariana. Tu ne peux pas te taire, qu'est-ce que tu peux être casse-pied? Expliquez-moi ce qui se passe ici. Non, papa, rien du tout, je t'ai dit qu'il n'y a rien. Rien. Mais alors, pourquoi autant de mystères? Il n'y a pas du tout de mystère, papa. Tu les trouves comment, tes yeux? Ils sont brouillés. Tu te décides à me le dire ou pas? D'accord, très bien, je vais te le dire, papa. Qu'est-ce qui se passe avec Adri?
Attends, ce n'est pas de ma faute si tu ne peux pas t'empêcher de poser plein de questions. Franchement, tu m'avais promis que tu ne dirais absolument rien à Mariana. C'est donc vrai, alors? Cela dépend de ce que tu as entendu dire. Que tu es amoureux d'Adri? Mon amour, je ne peux pas continuer à habiter chez Béatrice. Elle s'est remise avec Roberto et j'ai l'impression d'être la cinquième roue du carrosse. Mais tu sais que tu ne vas pas rester là-bas pendant longtemps, puisque nous allons nous marier le mois prochain. Où allons-nous habiter? Eh bien ici. Non, Gonzalo, je ne veux pas vivre à la campagne. Mais... Il n'y a pas de mais, mon amour. Essaie de me comprendre, cet endroit est bien trop retiré et loin de tout, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Mais... Et le petit déjeuner avec moi? Oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais j'ai quand même dû me lever à 5 heures du matin. Non, Gonzalo, je suis une fille de la ville. Tu sais que j'ai besoin de travailler, de sortir avec mes amis, de faire du shopping. Mais je suis bien ici. Oui, c'est vrai que tu as choisi cet endroit qui est très éloigné de tout et tout le monde. Je te comprends et je respecte le choix que tu as fait. Mais mon amour, puisque nous avons décidé de nous marier, il est important que nous ayons une vie sociale. Ah, oh, mon chéri, tu verras que ça te fera beaucoup de bien. Je te propose que l'on achète un très bel appartement dans le centre-ville. Nous en ferons notre petit nid d'amour et commencer notre vie à deux. Je ne sais pas... Alors quel est le problème? Le problème, c'est l'argent. Non. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un appartement en ce moment, tu sais. Gonzalo, cette belle maison est à toi. Tu pourrais la louer, l'hypothéquer ou la vendre. Tu peux en faire tout ce que tu veux. Je vais mettre les choses au clair et régler ce problème. Tomber amoureux n'a jamais été un crime. Je te l'avais dit ou je ne te l'avais pas dit, Mariana? Discuter de ce sujet avec papa est horrible, mais comme tu ne veux rien entendre, tu... Mais papa! Adri a 30 ans de moins que toi et elle est bien plus jeune que moi, papa, voyons! Et alors? Jules César avait 52 ans quand il était avec Cléopâtre, qui n'avait qu'une vingtaine d'années. Et Charles Chaplin avait 45 ans de plus que sa toute dernière épouse. Ça ne les a pas empêchés de bâtir une maison, d'avoir des enfants et de vivre une belle vie. Qui a dit que c'est seulement les adolescents qui avaient le droit de tomber amoureux? Non! Tous les hommes ont le droit d'aimer, peu importe leur âge. J'aurais compris votre frustration. Si Adri était une jeune femme naïve à qui je ferais du mal, mais non, au contraire, les choses sont différentes. Elle est une femme bien et honnête, et en plus, elle attend un enfant. C'est vrai, mais tu sais bien qu'elle attend un bébé d'un autre homme, papa. Cela n'a pas d'importance pour moi. Je suis disposé à prendre soin de son enfant. Papa! Vraiment, j'aime Adri, avec tous les défauts qu'elle a. Je l'aime tellement que je suis disposé à me marier avec elle. Maintenant, je dois aller travailler. Ce serait bien si vous deux, vous faisiez la même chose. Ah non! Je n'aurai jamais le courage de vendre ce cheval. Et je ne suis pas en train de te demander de le vendre, bien loin de là. Cela a été très dur pour moi de vendre Diamant. Mais ce cheval, Don Juan, ça c'est autre chose. Ah, ce cheval est comme un fils pour moi. C'est clair. J'avais complètement oublié que son nom était Don Juan. Je l'ai élevé moi-même. Et tu sais, c'est grâce à lui que j'ai commencé mon élevage de pur sang. Ce n'est pas une affaire rentable. Ah, mon amour, pardonne-moi, je ne suis pas en train de critiquer ton entreprise, ni ta ferme, et encore moins ton cheval. Il est même probable que Don Juan puisse rester à la ferme, et ce jusqu'à la fin de ses jours. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que... Nous avons besoin d'une autre alternative, car tu ne peux plus travailler dans l'entreprise de Roberto. Je ne suis pas l'employé de Roberto. Ah, chérie! Qui essaies-tu de tromper? Bien sûr que tu l'es. Si actuellement tu es le président de la Fondation White, c'est parce que c'est Roberto qui l'a voulu ainsi, car il t'aime et il essaie de t'aider. Mais il faut que tu comprennes que nous avons besoin d'être indépendants. Don Juan, lui, pourra rester encore un peu ici. Par contre, il faudra que l'on trouve une autre alternative pour ce qui est de la ferme. Qu'en penses-tu? C'est vraiment très grave. Je n'aurais jamais imaginé que papa pourrait tomber amoureux d'Adri. Quoi, je ne pense pas qu'il est amoureux d'elle. Il a tout simplement le béguin pour elle. Scarlett, c'est notre père. Et alors? Ce n'est pas un homme peut-être? Tous les hommes sont les mêmes car ils sont tous des coureurs de jupons, non? Très bien, mais je ne crois pas qu'Adri va tomber amoureuse de papa non plus. On ne sait jamais. Si papa se met à travailler vraiment dur et faire tout ce qu'il peut pour la séduire, eh bien ça pourrait arriver, non? Hein? Ça n'arrivera pas parce qu'elle est amoureuse de Miguel Angel et elle porte son enfant. Ce sera un enfant qui grandira sans père. Parce que Miguel Angel est un irresponsable. Et je te garantis qu'il ne va pas s'occuper de son bébé. Alors tu es tout à fait d'accord avec cette relation? Mais ce n'est pas notre problème.
Tu sais quoi? Je ne veux pas me mêler de cette affaire parce qu'Adri m'a vraiment fait de la peine. Salut. En plus. Scarlett! Oui? Ne va pas t'engager dans cette lutte anti-contrebande. Scarlett, cela pourrait causer de très sérieux problèmes à faire Chou comme à Adri. Mais pourquoi pas? Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Mon Dieu. Scarlett est infiniment reconnaissante envers toi. Pourquoi? Parce que tu l'as recommandé pour les photos. Est-ce que tu le lui as dit? Quoi? Quel est le problème? C'est un secret ou quoi? Miguel, je ne veux aucun engagement avec Scarlett. Mais détends-toi, mon ami. Tu peux aller voir cette femme autant de fois que tu le souhaites sans devoir t'engager. Et sérieusement, elle ne va pas te compliquer la vie du tout. Et arrête de me regarder comme ça, je suis simplement venu te présenter ceci. Maintenant, je m'en vais. S'il te plaît, ne parle pas de moi à Scarlett. Je ne veux pas qu'elle s'imagine que je lui envoie des messages. Ne t'inquiète pas pour ça, je sais que tu es en train de sauver ton mariage, alors compte sur moi. Au revoir. Nous vivons pratiquement sous le même toit. Il a encore passé la nuit avec moi. Et j'ai demandé au chauffeur de récupérer quelques vêtements à son appartement. Comme ça, il n'a pas besoin de rentrer chez lui pour se changer. C'est bien. Pour le dîner, je lui ai fait des crevettes avec le curry qu'une amie m'a rapporté d'Inde. C'était délicieux. Ah, au fait, aujourd'hui j'ai mon premier rendez-vous pour un traitement de fertilité. Donc tu ne pourras pas faire la répétition pour le défilé? Bien sûr que si. Mon rendez-vous est plus tard dans la journée. Mariana, tu veux m'accompagner chez le médecin? Bien. Oh, si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Ne te sens pas obligée de le faire. Mais s'il te plaît, j'insiste pour que tu viennes avec moi plus tard pour m'acheter de la lingerie fine. De la lingerie? Oui, c'est bien ça. Je voudrais m'acheter de la lingerie en dentelle ou en satin qui feront certainement plaisir à Roberto. À quoi bon suivre un traitement de fertilité dans ce cas? Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu décides? Tu m'accompagnes? Je ne sais pas. Allez. Cela va dépendre de l'heure à laquelle se termine la répétition. Oh, je suis sûre que la répétition se terminera tôt, ce n'est pas un problème. Oh, Mariana, un enfant avec Roberto, c'est la seule chose qui me manque dans la vie. Je veux faire les choses bien. Qu'est-ce que nous allons faire de tous ces vêtements colorés, hein? Toutes ces robes ne portent aucune étiquette, Lina. Tu as bien raison. Gonzalo ne s'est pas préoccupé réellement du développement de la marque de la Fondation. Mais il le faut, ma chérie. Si la Fondation commence à produire sa propre ligne de vêtements, il faudra que tout soit étiqueté, sinon... Alors je vais faire les étiquettes avec mon nom dessus. Comme ça, tu vas mettre ton nom sur les étiquettes? Lina Durand. Ça sonne bien, non? Oh mon Dieu! Je veux dire, si le nom, ça sonne vraiment bien, mais c'est juste que... Lina, tu ne peux pas associer ton nom à la collection. Ces vêtements ont été créés par la Fondation White. Eh bien, justement, on peut lui donner n'importe quel nom. Lina Durand. Il est grand temps pour moi d'avoir ma propre marque. Ah, tu es incroyable. Oh, cette répétition me rend très nerveuse. C'est logique parce que c'est la première collection que tu vas présenter. Oui, et en plus nous allons jouer les mannequins et défiler. On est un petit peu folle, non? Oui, un peu. Heureusement pour moi, tu seras à mes côtés. Je n'aurais pas eu le courage de défiler seule. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Mariana, est-ce que ça t'embête que je te tutoie? Non, non, pas du tout. Mais alors pourquoi toi tu ne le fais pas? Ah, je ne sais pas, parce que... Je suppose que c'est parce que tu es la patronne et que je travaille pour toi. S'il te plaît, tutoie-moi toi aussi. D'accord. Tu sais que tu es maintenant ma meilleure amie? Mais vous n'avez pas d'autres amis? Qu'est-ce que je t'ai dit pour le vous? Que tu n'as pas d'autres amis? Non. C'est vrai que je connais beaucoup de monde. Des filles avec qui je peux sortir dîner le soir ou même avec qui je peux aller danser en boîte de nuit le week-end. Mais tu sais, je ne peux pas leur confier mes problèmes comme je le fais avec toi. Mais tu as Lina. Ah, eh bien, Lina, tu sais, elle a une vision très différente de la vie. Je ne sais pas. Par contre, toi et moi, nous nous ressemblons. C'est justement pour ça que j'aimerais que tu m'aides à choisir de la lingerie. Et tu ne peux pas refuser. Tu dois aller de l'avant avec ce projet. Mais c'était juste une idée. Eh bien, je pense que c'est une excellente idée, mais il faut que tu fasses très attention parce qu'il ne te suffit pas d'obtenir un permis. Il y a aussi toute la partie financière.
Pour moderniser la ferme, il faut également penser à installer l'eau, l'électricité, le téléphone, les systèmes d'égouts et protéger l'environnement. C'est un investissement très important. Voilà pourquoi je te dis que c'était juste une idée. Bien, si tu le veux, je peux te conseiller. Et si tu as besoin que je te prête de l'argent, je peux le faire. Mais je te dis que c'est juste une idée. Que tu veux réaliser tout seul. Alors ce sera sans ton appui. Papa, mais je pense que... Roberto, je ne peux plus continuer à dépendre de toi. Il est temps que je fasse quelque chose de par moi-même. Je te remercie beaucoup. Mais en ce qui concerne le développement de la ferme, j'aimerais bien m'en occuper tout seul. Très bien. Maintenant, c'est clair. Ah, c'est très bien, ça. Regarde-moi. Oui, c'est très bien. Magnifique. J'aime bien ça, oui. Ah, magnifique. Continue. Allez, continue. Bien, maintenant, tu vas faire celle qui veut me séduire. Allez, vas-y. Voilà. Encore. Comme ça. Bien, très bien. Très bien. Très bien. C'est parfait. Bon, maintenant, tu vas sourire un peu plus. Plus souriante, d'accord? Tu sais ce que tu vas faire? Parfait, magnifique. Maintenant, sois plus sérieuse. Oui, tu apprends vite. Allez, on continue. Très bien, très bien. Voilà. Magnifique, magnifique. Continue. Encore une dernière photo. C'est du bon boulot. Et on a fini maintenant. Tu as été parfaite. Très super. Bien. Merci. Est-ce que je peux me changer maintenant? Eh bien, ça dépend. De quoi? Cela dépend de toi. Si tu veux que Roberto te voie dans cette petite robe. Est-ce que Roberto va venir ici? Je peux l'appeler pour qu'il vienne voir les photos. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je ne comprends pas, Miguel Angel. Tu veux que je me remette avec Roberto? Ah, non. Je te demande simplement si tu veux que Roberto vienne ici. C'est tout. Ah. Eh bien, non, merci. Tu es devenue une gentille fille, maintenant. Faire, tu as fait du bon travail, à ce que je vois. Je suppose que oui. Les enfants, ne courez pas! Il faut Montre-moi que... comment ça fonctionne. Regarde. Ah donc, mais les beaux t'ont joué. Bonjour, attends. Salut. Comment ça va? Tu peux me dire ce que font tous ces gamins ici? Ces petits bouts de choux sont les enfants des ouvrières qui travaillent pour l'atelier de la Fondation. Et ils vont défiler avec les vêtements que leur maman a cousus. Mon Dieu! Fiu. C'est impossible! Ils ne vont pas défiler! Madame Béatrice et Monsieur Gonzalo veulent qu'ils défilent. Fin de l'histoire. Très bien. Linis! Ah. Viens ici, mon amour! Ah, mon Dieu! Tu dois empêcher cela, ma chérie! Empêcher quoi? Ma chérie, eh bien nous devons empêcher ces sales petits morveux de défiler sur le podium. Ça ne peut pas Tony, arriver. Ah, Tony, arrête! Ne t'énerve pas pour ça! Inutile de se bagarrer pour ce genre de choses. Ah, et combien de temps faudra-t-il pour supporter tout ceci sans rien faire? Autant de temps qu'il le faut pour remporter cette guerre. Mais il y a une chose que j'ai complètement oublié de te dire. Tu sais que tu peux gagner la bataille en remportant de petites victoires, pas en les perdant. Est-ce que tu comprends? Mais tais-toi! Ah, quelle idiote! Je ne sais pas comment tu fais, mais... Salut, Tony! Est-ce que les enfants ont fait leurs essayages? Ah oui, j'étais sur le point de m'y mettre. Les vêtements sont fabuleux, ils vont être très élégants. Ils sont adorables. Oui, ils sont mignons. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire? Acheter colombien. Ce sera le slogan de la campagne? C'est une invitation à la consommation locale, n'est-ce pas? Et de même, nous pourrons utiliser ce même slogan pour différents types de produits. Par exemple, si tu veux vendre des vêtements, ce sera « Habille-toi colombien ». Hein? Si tu veux vendre des voitures, ce sera « Conduis colombien ». Si tu as l'intention de vendre... Si c'est du tissu, « Cours colombien ». Exactement! Exactement! Et il faudra qu'on utilise toujours le même mannequin. Cependant, elle sera présentée de manière différente pour chacune des activités. Hein? Une très belle fille qui plaira à tout le monde. Une fille d'ici. Une fille comme tu les aimes. J'ai déjà pris quelques photos de Scarlett pour les mettre dans la maquette. Tu veux les voir? Oui, bien sûr, oui. Assieds-toi. Quelle belle photo. Jolie mannequin, n'est-ce pas? Oui, elle est magnifique. Oui, je dois avouer que Scarlett a progressé. Si tu l'avais vue pendant la séance... Ah, Scarlett. Roberto voulait te féliciter pour les photos. Je vais vous laisser seul pour que vous puissiez en parler. Et alors? Très belles photos. Tu les aimes? Oui. Oui. Oh, super. Vraiment. Alors, comment vont les choses avec Scarlett? Ça va mieux. Tu sais, Juanca, je pense que Scarlett a enfin compris que le mannequinat n'est pas pour elle. Non, je le pense vraiment. Elle est beaucoup plus calme maintenant, plus posée. Elle pense à l'avenir avec plus de sérénité. Ah ah. Donc elle est également prête à t'épouser, à être la mère de tes enfants et en plus une femme au foyer exemplaire. Pourquoi pas?
Fercho, honnêtement, je ne pense pas que c'est ce que veut Scarlett. Eh bien, tu oublies qu'elle sera avec moi? Ah oui, là, c'est tout à fait différent, non? Parce que quelle femme refuserait de vivre aux côtés de Fernando Léon? C'est ce dont rêvent toutes les femmes, non? Je vois. T'es en train de te moquer de moi, là? Non, Fercho, je ne me moque pas, voyons. Et alors? Je veux simplement que tu comprennes que penser à la place des autres, c'est dangereux. Fernando, les choses sont comme elles sont, pas comme nous voudrions qu'elles soient. Merci beaucoup, Roberto, vraiment. Je ne trouvais pas de travail. Et cette campagne m'a vraiment sauvé la vie, tu ne peux pas l'imaginer. Oui, mais nous devons encore trouver des fonds pour ça. Ce n'est pas une affaire réglée? Non, bien sûr que non. C'est une campagne qui va nous coûter très cher. Et nous aurons besoin de l'aide du gouvernement et de quelques entrepreneurs. Là, c'est juste une maquette pour le ministre du Commerce. Je verrai si j'arrive à le convaincre. Ah, mais moi je suis sûre qu'il sera intéressé. Puisque la contrebande affecte tout le monde, il va aimer, c'est oui, sûr. C'est vrai, bon. Et Miguel, il est où? Il nous a abandonnés? Oui, j'en ai bien l'impression. Il trouve toujours le moyen de se sauver pour nous laisser seuls. Oui, c'est bien ça, en effet. Alors, comment ça se passe avec ta femme? Bien. Et comment ça va, ton Fercho? Avec Fercho, bien. Très bien. Ah, Juanca, je sais que Scarlett est heureuse avec moi. Je n'ai pas dit le contraire. Et elle ne sort plus avec Roberto. C'est normal. Et elle ne va plus poser nue pour des magazines. Encore mieux. Je ne vais pas entrer dans les détails avec toi maintenant pour que tu ne sois pas jaloux. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire, Fercho. Ne t'inquiète pas. Les hommes, tu sais, n'ont pas besoin de détails. Eh bien alors? Pourquoi t'as des doutes? C'est bon, Fercho, c'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit et regarde plutôt ce que j'ai là. Waouh. Mariana en couverture. Et l'article principal ne parle que d'elle. 5 pages, Juanca. Et 6 photos plein page. Eh bien, mon ami, si ça, c'est pas de l'amour, hein? Non, Fercho, je ne fais pas ça uniquement par amour. Mariana mérite la reconnaissance, car son travail en tant que styliste est très bien. Non, Juanca, ce qui me paraît très clair dans cet article, c'est que tu la présentes comme une étoile montante dans le monde de la mode. Elle l'est. Bon, et quoi? Est-ce qu'elle l'a vue? Non, non, pas encore, non. C'est une surprise pour ce soir. Très bien, c'est un peu large au niveau des hanches, mais pour le reste, il n'y a aucun problème. Non, mais je pense que tu devrais quand même rajuster le haut, Martika, parce que j'ai perdu quelques kilos. Je crois que oui. Eh bien, il vaudrait mieux qu'on t'en fasse une autre, puisque la taille 38 ne te va plus. La seule taille 36 ici, c'est moi. Ah, et que ferais-tu si je te disais que ce que tu portes est un 38? C'est vrai? Bien sûr que non. Tony, tu as vu Maria Lucia? Non, elle a appelé pour s'excuser de ne pas pouvoir venir car elle a je ne sais quel problème. Oh non, elle fera pareil le jour du défilé. Ne comptons pas sur elle. Eh bien, si c'est le cas, il va falloir qu'on trouve un autre mannequin. Adrie, pourquoi tu ne prends pas sa place? Parce que Adrie est trop grosse. Tony, donne les vêtements de Lucia à Adriana, s'il te plaît. Très bien. Mariana, je ne peux pas défiler ainsi. Mais bien sûr que tu vas pouvoir défiler. Regarde un peu comme tu es belle. Et puis, les enfants vont bientôt commencer à défiler. Et tu vas avoir du temps libre et tu seras seule. Non, je ne peux pas le faire, Mariana. Tu ne veux pas nous aider, Adrie? Allez, Adrie, dis oui. Ça va être super. Pourquoi tu fais exactement tout ce que te dit Mariana? Lina, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu ne le réalises pas, mais tu lui demandes toujours des conseils. Et tu fais tout ce qu'elle te dit. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'Adrie va défiler? Pour tout. Il me semble que Mariana est également devenue ta nouvelle meilleure amie. Eh bien, tu sais quoi? Je m'entends très bien avec elle. Et qu'est-ce que tu fais de moi dans tout ça? Ah, Lina, tu es mon unique sœur et personne en ce bas monde ne pourra prendre ta place. Mais où est-ce que tu vas? Faire des courses. Laisse-moi t'accompagner. Tu vois, Adrie, sur toi, cette robe est parfaite. Oui, c'est vrai. Regarde. Adrie, cette robe te va à merveille. On y va? Allons-y. Comment ça? C'est pas moi qui vais t'accompagner? Oh, Lina, j'avais demandé à Mariana avant. Allons-y, à plus. Suis-moi, je vais te faire essayer autre chose. À ce que je vois, Mariana et Béatrice sont devenues des copines super intimes. Tu en penses quoi? Elles ont l'air de bien s'entendre, elles vont même jusqu'à faire du shopping ensemble. Peut-être qu'elles vont commencer à s'écrire des lettres d'amour et se les envoyer l'une à l'autre. Ferme-la. Tu sais quoi? J'ai une toute petite question à te poser. Tu peux m'expliquer comment tu vas gagner la guerre si tu ne gagnes aucune bataille? Je
faisais les comptes, et avec ce que je gagne chez Béatrice Durand, nous pouvons louer un appartement très élégant, payer les frais de la voiture et acheter tout ce dont nous aurons besoin. Parce que j'imagine que tu voudras qu'on achète un réfrigérateur, un four à micro-ondes et toutes ces choses que les femmes adorent avoir chez elles, non? Mais de quelle femme parles-tu? Bah c'est que je veux parler des femmes en général. Je vais te dire une chose, Fertito. Tu n'as pas l'air d'être au courant. Tu dois arrêter de penser que je suis une femme comme tous les autres. Moi, je suis une femme très particulière. Oui, tu ne crois tout de même pas que je vais repasser pour toi? Mais de quoi tu parles? Je te dis tout simplement que nous devons aménager l'appartement. Avec des ustensiles de cuisine, avec des meubles et un four à micro-ondes. Oui, et le fer à repasser? C'est quoi ton problème avec le fer à repasser? Nous en avons besoin pour repasser les vêtements, oui ou non? Oui, et qui va repasser? Eh bien... Moi? Oui, eh bien, on pourrait embaucher une femme de ménage pour s'occuper de tout ça. D'accord? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas faire tout. Je ne sais même pas si je veux toujours t'épouser. Hein? Je veux dire, pourquoi il faut... Pourquoi se presser? Pourquoi ne pas attendre encore un petit peu? Je suis pressée parce que je veux fonder une famille. Tu veux vraiment fonder une famille ou tu veux tout simplement m'avoir auprès de toi? Est-ce que c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Très bien, alors. On pourrait en reparler ce soir. Non. Reste loin de moi. Je te remercie, mais à chaque fois que nous avons une discussion au lit, tu finis toujours par gagner, et ça, ce n'est pas juste. Exactement, t'as tout compris, ma chérie. Oh oui, c'est ça, moque-toi de moi. On fait en repasser. Ah. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, bien, ça te va bien. Tu en es sûre? Tu penses que ça va plaire à Roberto? Bien sûr qu'il va aimer. Oui, mais en fait... Il ne suffit pas de porter de la belle lingerie. Tu sais, les hommes, il faut... savoir les stimuler, comme dirait Lina. Je pense que tu aurais mieux fait de laisser Lina t'accompagner, Béatrice. Non, non. Elle ne ferait que critiquer le fait que je me suis réconciliée avec Roberto. Avec toi, je me sens bien, Mariana. Tu dégages une énergie positive. Et tu es sincèrement heureuse pour moi. Je ne souhaite que ton bonheur. Tu le mérites plus que quiconque dans ce monde, Béatrice. Mariana, à ton avis, quel est mon âge? Je n'en suis pas sûre. Un chiffre? 30? C'est pour ça que je t'aime autant. En vérité, j'ai plus de 30 ans. Mais je suis en forme, non? Oui, oui, tu es très belle. Ah, Mariana, je suis si heureuse. J'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Je fais des choses que je n'avais jamais faites avant. Et puis, tu sais quoi? Je vais essayer ça aussi. Mais c'est... ça m'a l'air un peu trop osé. Et alors? Le seul qui va me voir le porter, c'est Roberto. Seul? Et pourquoi seul? Juan Carlos n'est pas ton meilleur ami? Je ne peux pas en parler à Juan Carlos. Bien oui, t'as parfaitement raison. Tu ne peux pas aller vers Juan Carlos et lui dire que t'es toujours amoureuse de Roberto. Je ne suis pas amoureuse de Roberto Fernando. Disons que t'es pas en train de surmonter cette situation de la meilleure des façons. Je veux l'oublier. Oublie-le au plus vite, parce que tu souffres beaucoup trop, Mariana. Non, ça va aller. Tu sais ce qui me met le plus en colère? Les mensonges. Et tu as raison. Parce que la façon dont Bobby Roberto non, t'a non, trompé... je ne parle pas de Roberto Fernando. Oui, mais de qui tu parles, alors? Je te parle de tous les mensonges que je suis en train de dire à Béatrice. C'est ça qui me rend complètement folle. Elle a confiance en moi. Elle me considère comme sa meilleure amie et je suis en train de lui mentir. Fercho, comment t'expliquer ça? Je ne lui ai pas dit qu'à un moment, je pensais que Roberto était l'homme de ma vie, que j'ai accepté sa bague de fiançailles et que j'ai dit oui quand il a fait sa demande. Je ne sais pas, mais... Mais ne me demande pas pourquoi, Fercho. Je suis disposée à laisser la place à Béatrice pour qu'elle soit heureuse, même si je dois en souffrir. Eh bien, est-ce que tu apprécies vraiment cette femme? Bien sûr que je l'apprécie. Je ne voudrais pas me soucier d'elle autant, mais... De cette façon, je me sentirai moins coupable. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, Fernando, je ne sais pas. Béatrice, elle a Roberto à ses côtés, ça la rend heureuse. Mais moi... Je n'ai même pas de meilleure amie. Maintenant, je réalise à quel point je suis toute seule, Fercho. Ah, Marianita, je pense que c'est vraiment horrible.
Et en plus, je dois aussi cacher ce secret à Scarlett, et je dois aussi le faire quand je suis avec Juan Carlos. Je me sens... C'est comme si je devais mentir à tout le monde, Fercho. La seule personne à qui je peux vraiment parler, c'est toi. Et tu sais, c'est quoi le pire dans l'histoire? Jamais je ne pourrai pardonner à Roberto le fait qu'il ait ruiné ma relation avec ma sœur et avec Béatrice, ma meilleure amie, avec les deux femmes qui me tiennent le plus à cœur, les femmes les plus importantes de ma vie. Je ne pourrai jamais lui pardonner, je le jure. Roberto m'a laissée toute seule, Fercho. Oh non, Juanca, tu exagères, franchement. La moitié de ce magazine parle de moi, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas du tout exagéré, Mariana, il n'y a que 5 pages. 5 pages, ma chérie. 5 pages peut-être, mais tu es aussi la couverture. Je ne peux pas le croire. Ma sœur est une célébrité maintenant. Arrête. Je ne suis pas une star. Non, bien sûr que non, mais tu es sur la bonne voie, ma chérie. Oh, tu es tellement belle, ma Marie. Et toi, là, quand est-ce que tu vas m'aider à faire la une des magazines? Tu me dois bien ça. Ce n'est pas dans mes capacités, demande à Juanca, c'est lui qui a un magazine. Tu ne vois pas que San Juan me déteste? Ah, Juan Carlos ne te déteste pas, voyons. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il me porte dans son cœur non plus, n'est-ce pas? Bon, disons plutôt que tu es ma belle-sœur préférée. Ouh. Il m'appelle déjà belle-sœur. Tu te moques de moi, pas vrai? Non, je ne me moque pas, non. Disons que je prends de l'avance en pensant à l'avenir. Eh bien, il me semble... Il semble que nous sommes un peu de trop ici, non? Allons-y, Fercho. Et où est-ce que vous allez comme ça? Dîner? Danser? Ah... Il va falloir vous mettre d'accord, non? En fait, nous allons d'abord dîner au restaurant et après nous irons danser. On va s'amuser. Allons-y, très bien, au revoir et... Je pense que tu pourrais être gentil avec moi et mettre ta belle-sœur en couverture. Ça te fera gagner des points, crois-moi. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, Mariana. Je t'aime. Et c'est tout. Mariana, je... Bonsoir, bonsoir. Ah, papa, viens là, viens, dépêche-toi. Regarde ça, s'il te plaît. Ah, et alors? Mariana Garcia, la nouvelle créatrice prometteuse. Tu as vu Mariana sur la couverture du dernier numéro de Fashion? Oui, Juan Carlos a tout organisé. Oui, il fait absolument tout ce qu'il peut pour marquer des points avec elle. Non, je ne crois pas qu'il ait du souci à se faire. Étaient-ils pas ensemble à New York? Mais seulement en tant qu'ami. Mais il en veut plus. Eh bien, pourquoi ne lui demande-t-il pas en mariage si c'est ce qu'il veut? Roberto, tu as des problèmes avec Juan Carlos? Non, pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. À chaque fois que je parle de lui, tu sembles contrarié. Non, non. T'imagines des choses. C'est vrai que Juan Carlos et moi n'avons jamais été des amis, mais il est ton cousin et ton associé. Je le respecte pour ça. Mais tu ne l'as jamais aimé. Moi, je pense que tu es jaloux. Jaloux? De Juan Carlos? Et pourquoi? Pour moi? Ne t'inquiète pas, parce qu'entre Juan Carlos et moi, il ne s'est jamais, jamais rien passé. Je n'ai Dieu que pour toi. Et qui lit ce magazine? Papa, tout le monde, voyons. Fashion est le magazine le plus célèbre de tout le pays. Bon. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est parce que vous n'êtes pas familier avec le monde de la mode, monsieur Augusto. C'est ce que tu penses, jeune homme. Je travaillais dans ce monde-là quand j'étais plus jeune. Papa, tu as travaillé avec maman? Et pourquoi tu ne me l'as jamais raconté avant? Il y a des choses dont je ne veux plus me rappeler. Veuillez m'excuser. Excuse-le, Juanca. Mon papa a quelques petits problèmes. Ne t'en fais pas. C'est ce que j'aime le plus chez toi. Quoi? Que tu soutiennes tout le temps ton papa et ta sœur. Et même si parfois elles font des erreurs, eh bien... Tu es toujours prête à leur donner une seconde chance. Eh bien, personne n'est parfait. Et si on n'est pas tolérant, on se retrouve tout seul dans la vie. Tout est bien clair dans ta tête. C'est pour ça que je t'aime. Attends, Juanca. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je ne peux pas. Pardon. Ne t'endors pas, s'il te plaît. Je suis réveillé. Bien, alors reste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise.
Salut. Ça ne te plaît pas? Je ne t'ai jamais vu porter quelque chose comme ça. Il y a toujours une première fois à tout? Oui, tu as raison. Tu es surpris? Un peu, oui. Très bien. Assez de lecture pour aujourd'hui. Oui. Mets-toi à l'aise. Non. Alors ça a mal tourné avec elle? Comment ça se fait? Non, mais tu peux pas rester marié à une femme que tu n'aimes pas. Pourquoi? Tu dois accepter que ton mariage avec Béatrice est fini. Face à autre chose. Ah, oh, tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Je t'aime tellement. Votre vie de couple sera vraiment très pathétique. Mais l'idée est plus délicieuse. Oui, mais c'est mon problème, tu ne crois pas? L'idée de Béatrice, tu ne penses pas? Ah, ça m'avait manqué. Je t'aime. Tu me demandes de quitter Béatrice. Alors là, tu es encore plus stupide que je le pensais. Ne fais pas ça pour moi, Roberto White. Je ne te demanderai jamais de faire une chose pareille. Je t'aime, je t'aime. Ça fait du bien, ça m'a manqué. Qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, c'est que j'ai eu une très mauvaise journée. J'ai très mal à la tête. T'as très mal à la tête, c'est ça? Oui, oui. S'il te plaît, excuse-moi. Laisse-moi t'apporter un médicament, d'accord? Je reviens. Ne t'endors pas. Attends-moi. Eh bien alors, quand est-ce que nous allons nous marier? Ah, ne me demande pas ça maintenant, tu veux? Ça me dérange. Tu ne veux pas que je te le demande? Pourquoi? Ah, parce que je ne pourrais pas m'empêcher de dire oui à tout ce que tu pourrais me demander. C'est justement ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu me dises oui, mon amour. Pour qu'on puisse envoyer les invitations et fixer une date. Pourquoi es-tu si manipulateur, hein? Qui, moi? Oui. Je suis un manipulateur? Allez, franchement, mon amour, tu n'aimerais pas que nous ayons une maison rien que pour nous deux et que nous partageons tout ensemble? Dis-moi. Je ne pense pas que ce soit une si bonne idée. Ah non! Tu n'aimes pas être avec moi? Tu n'aimes pas qu'on soit comme ça? Hein? Oui. Tu aimes ou tu n'aimes pas? Oui, j'aime ça. Eh bien, quel est le problème? Oh, faire chaud. Faire chaud quoi? Bon. Bon, ça va très bien. J'y ai pensé, oui. Oui, je vais t'épouser. Et tu pourras faire tout ce que tu veux de moi. C'est exactement ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire.